trouver. Eh bien, le 9 novembre, à Berlin, l'histoire en marche offrait au monde le spectacle improbable la veille encore, d'une brèche dans le mur, qui à lui seul signifiait depuis près de 30 ans les déchirures de notre continent. Ce jour-là, la démocratie et la liberté, inséparables l'une de l'autre, remportaient, je le crois, une de leurs plus belles, une de leurs plus sensibles victoires. Meine Damen und Herren, wir alle sind Zeugen eines großen Umbruchs in Europa. Vollziehen sich im Osten unseres Kontinents in immer mehr Staaten mit atemberaubender Geschwindigkeit grundlegende Veränderungen des politischen, des wirtschaftlichen und des gesellschaftlichen Systems. Les mots qui sont le plus souvent revenus sont l'émotion et la joie. Permettez-moi d'y ajouter la solidarité que nous devons exprimer dans nos cœurs vis-à-vis de nos amis allemands des deux côtés de ce rideau de fer en voie de disparition. Nous pensons particulièrement à eux. Quand un membre de la famille a une joie ou une espérance, tous les autres membres de la famille doivent avoir la même joie et la même espérance. L'Allemagne de l'Est constitue un cas spécifique. Elle a sa place dans la communauté si elle le demande, pour peu que ce processus se réalise selon les termes rappelés par le Conseil européen de Strasbourg. Et je les répète, car ces termes ont été pesés par les chefs d'État et de gouvernement, à travers une libre autodétermination, pacifiquement et démocratiquement, dans le respect des principes de l'acte final d'Helsinki, dans un contexte de dialogue Est-Ouest et dans la perspective de l'intégration européenne. Wir trinken jetzt gemütlich eine Tasse Kaffee, weil ich ja noch so. Y el de la comunidad, oiremos con gusto el discurso del canciller Kohl. También tenemos hoy la oportunidad de acoger entre nosotros al señor Lothar de Maizière, primer ministro de la República Democrática de Alemania, en su primera visita
En primer lugar, para que el primer ministro elegido por primera vez democráticamente de la República Democrática Alemana pudiera expresarse en el Parlamento Europeo. Y en segundo lugar, para que esa expresión se hiciera de la manera más abierta posible y espero que con la participación al máximo de todos los parlamentarios. Es ist ein außerordentlich bewegender Augenblick für mich als Ministerpräsident der ersten demokratischen Regierung der DDR, vor Ihnen hier zu stehen oder besser gesagt zu sitzen. Diese Begegnung heute danken wir den Menschen in der DDR, die im Herbst 1989 ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen begannen. Notre président ne peut pas être là. Tout d'abord, Monsieur Kravchenko, qui est membre du comité. Я хочу прежде всего передать вам приветы от парламентариев советских. Будет довольно жестко высказываться на эту тему. Все это социализма, как они называют. Определенное беспокойство вызывает. Si vous voulez bien passer au vote. Qui vote pour le rapport? Qui vote contre? Qui s'abstient? Eh bien, le rapport est adopté. Un tout petit dossier. Qu'est-ce qu'il y a de la place? Neue Gemeinschaft. Ja, neue Gemeinschaft. Sehr gut. Autorizado a determinadas comisiones para que elaboren informes que celebra el Parlamento Europeo después de la unificación de Alemania el pasado 3 de octubre. Sé que hablo en nombre de todos y de todas los miembros de esta Cámara al dirigir en estos momentos trascendentales nuestra más sincera felicitación a nuestros colegas del Bundestag y a todo el pueblo alemán.